Oui, c'est un être humain. On dirait pas comme ça, mais c'en est un. Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode 2, jour 2 de Ark PVP solo. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà améliorer un peu la base. Donc du coup, oui, là-bas, j'ai pas changé de place. Je l'ai juste un tout petit peu décalé. Et regardez ça, elle est invisible. Elle est clairement invisible. Hop là, poussez-vous tous. Triceratops rose. Voilà. C'est au même endroit. Et finalement, regardez, c'est plutôt pas mal. On la voit pas, hein. Là, c'est le seul endroit où on pourrait la voir. Que c'est bien. Là, on la voit absolument pas. Et là, hop là, on va passer par là, on va passer par là. Et là, bon, bah là, c'est sûr que si on est collé, on la voit. Hein. Mais là, de ce côté-là, voilà, à peu près. Après, là, on peut la voir ici, mais bon, franchement, vraiment, faut se dire qu'il y a une base. Hein. Faut vraiment se dire qu'il y a une base. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas de cachette 100%, mais je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est pas mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu améliorer l'intérieur. Alors pour ça, ben on va faire surtout des morts, non pas des moires, des mortiers. On va en faire une petite vingtaine. Oui, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, mais vous allez voir. Regardez ça, comme c'est magnifique. Et là, tout ça, il y a 24 places dans chaque mortier. Pas beau? Imaginez tout ce rangement qu'on peut faire. Voilà. Donc ça c'est juste pour ranger des stuffs. Hein. Ça, tout ça c'est que pour ranger des stuffs. Vas-y, je vous redescends maintenant. Elle me dit pas que je peux pas redescendre. Mais quelle est cette mascarade? Bon bref, vous avez compris l'idée, je vais arranger un peu tout ça. Et on va voir ce que ça peut donner. Hein. Et voilà, là c'est bon. Bon du coup, j'ai un peu arrangé la base vite fait. Hein. Vite fait, vite fait. Je vais poser ça ici, je vais poser tout ce qu'il faut ici. La bouffe, je m'en fous. On va poser là, ça on va prendre la moitié. Ouais. Tout est bon, je pense. Tout est bon. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse en plus? Bah, du coup, il faudrait que j'atteigne le niveau 80, tout simplement. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est que. Hop là. Bah, je vais rentrer pour parler parce que là, c'est le bordel dehors. Voilà, du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est aller vers une obélisque. Et à partir de ça, on peut se téléporter sur d'autres maps. Là, l'objectif, ça serait d'aller sur Ragnarok pour récupérer des ressources que je n'arrive pas à trouver ici. Ça va être une sacrée expédition. J'espère juste qu'elle va pas être mortelle. Ce qui serait vraiment intéressant. Ça serait d'avoir un bon Ptera, un bon volant en fait, pour explorer un peu la carte, parce que je sais pas si vous captez, regardez ça, il y a un cardon. Vas-y, mais c'est pas vrai. Je sais pas si vous captez ça, j'ai pas du tout exploré The Island. Je ne connais pas cette map. Alors oui, c'est peut-être un peu présomptueux d'aller sur une map qu'on connaît pas pour faire une série en PvP solo. C'est possible, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc c'est pour ça que je vais aller sur Ragnarok. En plus j'ai l'impression que The Island n'est pas trop habité. Valguero, regardez, il y a beaucoup de gens qui... Oui, Ragnarok aussi. Donc bon, voilà. On va aller sur Ragnarok. On va se faire peut-être une petite base, un petit pied-à-terre là-bas, j'en sais rien. Oh oui. Ark, qu'est-ce que tu es bien modélisé. Du coup on y va tranquille à l'obélisque. Voilà, on va ici, à la verte, avec notre petit parachute. Tranquilou bilou. Il y avait la bleue là-bas, mais la bleue elle est dans la neige. Dangereux la neige. J'espère que tout ça va bien se passer. J'ai jamais utilisé d'obélisque de ma vie. J'ai jamais joué sur un cluster. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. On va peut-être aller au drop violet. Je crois que ça marche par rapport au drop aussi. Donc voilà, en fait, surtout le vrai truc le plus important, ça serait essayer de choper un Argentavis bon level. Mais avant tout, ça serait un volant. Tout simplement pour pouvoir s'en sortir. Hein. Parce que là, là vraiment, c'est la crise. Hein. Je suis à patte. C'est l'enfer pour farmer. Tout est long en fait. Oh, même terrain. T'as un para. Y'a quoi là? Y'a un Stegotech aussi. Attends, mais y a du. Y'a de la vie ici là. Y'a ça là. Ok. Vas-y, oh, il va y avoir du monde ici. Ça va être dangereux. Non, les raptors. Barrez-vous. N'atterrez pas dans l'eau. N'atterrez pas dans l'eau. Yes, allez, on se casse. Vite, vite, vite. On court. J'aurais peut-être dû rester en l'air. Hein. Ça aurait peut-être été mieux. Hop là, le trou dedans. Non, tout, mais pas ça. What? Eh mais c'est dangereux le monde. Lâche-moi, vas-y, il fait jour. What? Vas-y, Gallimimus. Eh mais il y a trop de dinos quoi. C'est abusé. Il y en a partout. Bon, encore, ils sont pas tous agressifs. What? Salut les dilos. Ça va être l'enfer. Eh, il y a trop d'eau. Non. Lâche-moi. Ok, allez, ça passe. Ah ouais, mais c'est vrai, j'ai mis mon armure de fourrure. Et ouais, parce que c'était l'enfer chez moi.
Ok. Vas-y, pas de poisson agressif, juste tranquillou, hein. Tranquillou. Pas d'embrouille. Alors. Comment ça marche? Ça, c'est vraiment de la merde. Et y a... Putain, de poisson de merde. Je sais même pas comment je fais pour y aller, là. Je me fais agresser par des poissons et tout. Alors. Structure. Ah, mais on peut pas se TP. Mais merde! Lâchez-moi les piranhas, là. Pas vrai, ça. Et là, il y a quoi derrière? Il y a un bruit aussi. Arme. Comment on fait pour se TP une autre map? Fabrication. Affichage. Transférer vers. Oh, c'est possible? Ragnarok, me casse. Ok, j'ai trouvé. What, ça lagouille un peu là. Et ouais, mais on se fait tout le temps agresser aussi. Qu'est-ce que vous voulez? What? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est trop bien. C'est trop bien ce système de cluster. En gros, c'est ça, c'est un système de cluster. On va où on veut. Et du coup, ici, en fait, je peux récupérer des matériaux, récupérer des ressources qu'il y a peut-être que sur Ragnarok et les ramener chez moi. Mais après, à voir comment on fait pour ramener les ressources, parce que ouais, je suis quand même vachement loin. Est-ce que je peux ramener un dinosaure? J'en sais rien. Franchement, j'en ai aucune idée. What? Direct, il y a ça. J'arrive sur le serveur, pouf. Un bon giga. Bon. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, c'est quand même plus lumineux que chez moi. Hein. C'est waouh. Sacrée différence. Terra, je sais qu'il y a plein de Terra. Il y a des moutons ici, on peut tamer rapide. Par contre, les levels sont pas terribles. Hein. On va essayer de se ta... Ah mais putain, mais quel con, j'ai pas pris de narco. J'ai pas pris mes flèches narcotiques, mais quel débile. Ah mon dieu, mais quel débile. Contre, y a pas des moutons ou un truc comme ça là pour tamer? Ah, un mouton. Alors toi mon pote, je suis désolé, mais je vais t'éclater la tronche. Ça marche pas ça? What? Level 187, c'est sérieux quoi? What? T'es invulnérable? Eh ouais, bah je suis désolé frérot, mais bon... Hein. Faut y aller à l'arc, hein. Ils font pas comme ça, les bergers. Je crois. Bon, voilà. Fourrure. Très bien. Très bien, ça. Putain, il y en a beaucoup, hein. Ah ouais, c'est... C'est juteux, mouton. Ah oui. Ah oui. Ouais, du coup, j'y pense, là. Je vais être obligé de me faire une petite base ici, hein. Parce que je pense que je vais être obligé de revenir plusieurs fois. Parce qu'ici, normalement, il y a des mantis pour le polymère, il y a des trucs, donc je vais faire une petite base à l'arrache. Hein. Nickel, ça. Est-ce qu'on peut se faire d'autres mortiers? Non, on peut plus. Il manque de la pierre. Bon. Alors ici, ça va être le mortier pour stacker les bêtises. Voilà, très bien. Super bien tout ça. Ici, ça va être le mortier pour faire des narcos, tout simplement. Ah, mais j'en ai des narcos. Mais je suis complètement paumé. Hein. Hey, je suis complètement paumé, les gars. Ça va pas du tout. Hein. Je suis venu avec mes flèches, mais je suis à l'arrache. Hein. Bon, allez, on va mettre un sac de couchage. Dans tous les cas, fallait le faire, ça. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Eh, hey, mais le mec, il est du père. Du père. Bon, allez, on va essayer de repartir. À la chasse au Ptera. Eh, je suis... Franchement, hein, parfois, je suis vraiment à l'ouest. Hein. Ok. Et j'ai oublié ma viande de mouton. J'ai oublié ma viande de mouton à la maison. Il est level combien lui? 21, allez. Oh, il a sauté, il est rigolo. Allez, voilà, tu dégages. Tout ça parce que j'ai oublié la viande là-haut. C'est terrible. Bon, sans viande de mouton, ça devrait le faire, c'est bon. Alors. Bon, on repart à la recherche de Ptera. Je suis complètement fuckhead du cerveau, vraiment le mec. Ah, l'arrache. Là, on sent le joueur pro PVP. Hein. Je vais te fumer, je te le dis. Je te le dis, mon pote. Il est terrible, hein? Oh, l'erreur. L'erreur du Ptera. Paf! En plus, il est super beau. Allez, dors. Bon, 90, c'est peut-être un peu trop, là. Allez, dans le cul. Les flèches dans le cul, ça fait du bien, ça. Allez, pionce. Ok, bon, peut-être une flèche en trop, mais c'est pas grave. Allez, tiens, bouffe ça.
Pas pris de sel pour faire une terre. J'ai pas pris de... J'ai pas pris de sel de Ptera. Fait nuit. Terra, voilà, nickel. Et regardez comme il est beau là-haut. Il est fier, il regarde l'horizon. 178, ça va, c'est pas si mal que ça en vrai. Et là, ben là, ce qu'on va essayer de faire, c'est que... moi, je sais pas trop, c'est un peu le bordel dans ma tête. Bon, on a changé de programme, du coup. On s'est fait une petite base, ici, à peu près, là où je suis, là, moi. Parce que, ben, tout simplement, ça va être plus simple. Ça va être plus simple, alors je vous explique pourquoi. Cette montagne là-bas, là, ici, en face de moi, il y a des Argentavis. C'est très important. Ici en dessous, par là-bas, il y a plein de Ptera et il y a plein de Mantis. Regardez, il y en a un ici. Peut-être qu'on va réussir à s'en choper un bon level, genre comme celui-là. Ouais, celui-là, je le prends. Et en gros, c'était pour ça. Et derrière, là-bas, il y a la Ice Cave. Donc la cave de glace. Où il y a du loot. Il y a beaucoup de loot. Des petits loot qu'on peut avoir, hein, comme je vous ai montré. Et bah, tout simplement, qui peuvent nous permettre d'améliorer notre stuff. Toi, tu viens. Level 203, mon pote. Mais alors, toi, tu vas venir mais direct avec moi. Allez, mais tire tes flèches par contre. Et meurs pas, mon pote. Hein. Allez, tire tes flèches. Dors. Vent de Dieu, dors. Fais pas comme l'autre. Mais dors, mon sang de bois, tu vas dormir. Ouais, tu comptes aller où là? Malandre. Je pense que... Est-ce que je peux me tamer un petit para? Je pense que ça pourrait être pas mal. Hein. Parazorolopus. Ça peut être intéressant pour farmer quelques baies. Très rapide à tamer un para, donc on va le faire. On va essayer de s'en trouver un peu éclaté. Alors, tac. Voilà, 1000. 1000 narcoberries, on va pouvoir se faire quelques narcos, hein, tout simplement, voilà. 200, je pense que ça ira. Ça, on va le réparer une fois de plus, j'ai envie de dire. Voilà. Et ensuite, bah, on n'aura plus qu'à aller chercher un petit Argentavis qui va grandement nous aider. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la fin de l'épisode. Voilà. C'est à peu près tout, donc si vous avez kiffé l'épisode, petit commentaire pour savoir si je vais dans la bonne direction, ça fait plaisir. L'abonnement si vous ne l'êtes pas déjà. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est... Ciao tout le monde !